À toutes et à tous, merci pour votre présence. Donc, en effet, une invitée surprise pour cette keynote de Values où on va parler d'alliance, de simplicité, mais aussi de performance. Les nouveaux horizons du retail média. Sophia Lévin, directrice au champ retail média. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Sébastien. Et merci. Olivier, bonjour. Bienvenue à tous bonjour. Les trois. Alors, on est là pour parler de retail média. Je vais commencer par Sébastien. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec Values, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement ce qu'est Values, sa mission et aussi son fonctionnement comme alliance? J'aimerais également que vous nous parliez de la base data Values qui semble être unique en France. Parfait. Eh bien, bonjour, merci Claire, bonjour à tous. Ravi de vous partager un petit peu notre aventure autour de Values. Values, c'est une alliance data, technologique et humaine au service des commerçants. Et ces commerçants, ils sont 19 autour de Values qui ont co-créé cette aventure et cette entreprise. Parmi eux, il y a Auchan, bien sûr, qui est là. Il y a Leroy Merlin, Decathlon, Boulanger, Noroto ou Kaby et les autres. Ça fait 4000 points de vente en France aujourd'hui. Ça fait 170 millions d'identités clients cumulées, dont 55 millions de clients uniques et 27 millions de clients qui appartiennent, qui sont communs au moins à deux de ces entreprises. C'est 120 collaborateurs et 300 collaborateurs dans cet écosystème qui travaillent à construire et à co-construire Values tous les jours. Donc ça, c'est le quoi. Pourquoi on a construit Values ? Finalement, la raison de cette construction, ça a été de travailler le besoin profond et les enjeux des retailers, nos alliés. Hein. Et ces enjeux, bah, ils sont autour de la digitalisation, de l'omnicanalité, évidemment de la data au service des métiers, mais aussi des enjeux de business model, dans leur efficience, dans leur performance et même leur durabilité dans le temps, qui est sans cesse remis en question. On parle aussi de rentabilité. Et donc, du coup, finalement, notre conviction, c'est que la data, elle est utile pour ces commerçants. Elle est utile pour ces commerçants, elle est utile aussi pour ses clients et aussi pour la planète. Et la data, finalement, elle permet de comprendre, comprendre pour agir, agir pour créer de la valeur. Et c'est ça, finalement, la recette de Values. Comment on a fait ? Face à ces enjeux des nouveaux codes du commerce, finalement, on s'est alliés pour entreprendre. Alliés, ça veut dire se mettre ensemble en mettant le client commun, la connaissance client au cœur de cette alliance, avec comme volonté aussi de faire du moins et du mieux autour de ces sujets. Le comment, ça a été d'abord de définir le quoi. Et le quoi, c'est de se mettre d'accord ensemble sur ce qu'est-ce qu'on veut opérer de plus grand que ce qu'on peut opérer chacun de son côté. Dans un cadre qu'il fallait choisir, d'un cadre éthique d'abord, puis légal, et puis aussi dans une gouvernance partagée avec des systèmes de fonctionnement. Et ça a été évidemment les sujets. Il restait le sujet technologique, qui est un énorme défi, mais pour lequel on n'avait pas trop de crainte sur notre capacité à le résoudre. Une fois qu'on avait défini ça, on a défini évidemment nos premiers use cases de création de valeur sur une base horizontale. Et puis, plus on a avancé dans le temps, puisque Values a 4 ans aujourd'hui, on arrive sur une déclinaison de notre proposition de valeur de manière verticale pour aller plus en profondeur sur notre geste métier au service du geste du commerçant. Aujourd'hui, finalement, Values, c'est un collectif by design, une data by design. Cette data, on en a parlé, et sa richesse. Alors concrètement, les fruits aujourd'hui, hein, de là où on en est, bah, c'est un collectif fort, une data qui est unique et des experts au service de ces enjeux du retailer. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, une nouvelle étape de l'aventure de Values. Et on vient annoncer la création de Values Ads, qui est l'évolution de Values sur la partie création de valeur au service du retail média. Merci pour cette exclusivité. Sophia,
Alors, j'ai une question pour vous autour du marché du retail média qui est aujourd'hui, on va le dire, à 1 milliard d'euros en France. D'après vous, quels sont les principaux défis auxquels les annonceurs, mais aussi les retailers, doivent faire face pour saisir ces opportunités ? Bien sûr. Effectivement, le retail média, on peut parler du raz-de-marée qui est en train de aller jusqu'à transformer le business model même de la grande distribution. C'est un véritable phénomène, Sophia, on peut le dire. Tout à fait, je pense qu'on peut le dire. Et donc, d'une part, le potentiel n'est plus à démontrer, mais d'autre part, il s'agit quand même, il faut se le dire, d'une véritable transformation. Une transformation pour les retailers, une transformation pour les agences médias, ouais. Une transformation pour les industriels. Donc, prenons par exemple Auchan. Notre métier, c'est un secret, c'est connu depuis des dizaines d'années dans la grande distribution. On achète la cam et on vend la cam. Et aujourd'hui, il y a une troisième verticale qui émerge, celle du média, et qui transforme en profondeur nos process, nos organisations et jusqu'à nos relations avec nos partenaires industriels. C'est la raison pour laquelle, chez Auchan, nous avons fait le choix de reconnaître le retail média comme un programme de transformation stratégique avec une ambition qui est posée, celle de faire d'Auchan Retail Media Company. Et donc, cela nous engage à un nombre de chantiers assez importants pour y parvenir. Après, comme c'est souvent le cas avec les nouvelles formes de commerce, le risque serait de créer un silo à un village gaulois qui traiterait le retail média au sein de l'entreprise. Et ce n'est pas notre choix. Vous voulez dire de cloisonner finalement un peu les choses ? Voilà, le vrai risque, c'est de cloisonner ça au bout de quelques experts qui traiteraient ce sujet-là. Et donc, nous, on a fait le choix inverse. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de nos meilleurs experts, un UX, un CRM, un data, un IT, un merchandising qui travaillent avec la verticale retail média pour créer pour nos partenaires annonceurs les meilleures activations et pour délivrer de la performance. Et moi, je vous ai parlé de la grande distribution, mais les mêmes enjeux de transformation organisationnelle concernent aussi nos partenaires industriels et les agences médias. Au-delà de cette transfo, moi, je peux parler de 4 enjeux majeurs qui, de mon point de vue, agitent le retail média. Je vais aller vite parce que, c'est dit et redit en ce moment, mais ça vaut le coup de le rappeler. Le premier, c'est l'enjeu de simplification. Acheter du retail média, c'est compliqué aujourd'hui, et ça, tous les accords se l'accordent de dire. Donc, pour sortir de ce mode MVP et pour enfin aller chercher le plein potentiel, nous avons besoin de trouver un moyen de simplifier l'achat de retail média et il y a également un enjeu de universalisation. Ça fait partie vraiment de vos 4 challenges. Hein. Voilà, mon premier challenge, si je le dis, c'est la simplification à l'achat. Le deuxième, c'est universalisation. Par ce mot, j'entends que nous avons besoin de rendre le retail média disponible à l'achat, à la fois pour les grands groupes, mais aussi pour les PME, pour les plus petites entreprises. Ça doit devenir une verticale qui doit être disponible à l'ensemble des annonceurs. Accessible. Accessible. Simplifié pour être accessible. Et ensuite, le troisième et quatrième, les enjeux ne sont pas séparables. C'est la notion de performance, de flexibilité et de mesure, à savoir, nous allons devoir faire des preuves et démontrer de façon agnostique, dans les verticales, interdistributeurs, interleviers, intertype d'activation, en 360, la valeur qu'on démontre et qu'on est capable d'optimiser le rendement publicitaire des annonceurs. Et je pense que si on arrive à faire toute cette descente-là, allant de la transformation vers la simplification, l'universalisation, et démontrer la performance par une mesure fiable. Fine, je pense qu'il y a un réel potentiel à aller chercher, et ça, c'est plus à démontrer. Très clair, merci. Je me tourne vers vous, Olivier. Aujourd'hui, vous annoncez donc le lancement de Values Ads. Est-ce que vous pouvez nous détailler la proposition de valeur de cette nouvelle régie média et comment elle répond finalement aux enjeux du marché du retail que Sophia vient de nous décrire ? Oui. Je peux vous le dire, en effet. Alors, allez-y, en tout cas, je vais essayer, en effet. Alors oui, on lance Values Ads à compter du 1er janvier 2024. Donc voilà, rendez-vous est pris. Pour répondre à ces enjeux, et on va y revenir dans un instant, mais il y a un autre objectif qui a nourri véritablement notre approche dès le départ, c'était de renforcer et d'accélérer la collaboration entre les enseignes et les industriels annonceurs, qui étaient pour nous fondateurs, en proposant un point d'entrée centralisé et une capacité de connaissance client et d'activation omnicanal. Donc, ces deux notions sont vraiment fondatrices de notre proposition de valeur, un point d'entrée unique et l'omnicanalité. D'accord. Le point d'entrée unique, car on souhaite répondre aux enjeux de simplification d'accès
aux offres, Sophia en parlait, simplification d'accès à la data, et puis simplification d'accès à la mesure, bien évidemment. Et omnicanal, car on a mis en place des offres couplées qui permettent de répondre aux enjeux marketing de nos annonceurs et plus seulement d'activer canal par canal, en rendant tout le funnel de conversion disponible à l'activation, que ce soit le haut de funnel avec du branding jusqu'en bas, donc par exemple de l'activation en extension d'audience jusqu'au magasin. Et ça, pour nous, c'est vraiment fondateur de notre proposition de valeur dès le départ. Pour construire cette approche, on est parti de deux enjeux importants pour les marques et pour les agences. Le premier, c'est la connaissance client massive qu'ils recherchent, dont ils ont besoin, et volumique, avec une capacité de granularité. Et la seconde, c'est l'accès à cette data et aux inventaires qui vont normalement nourrir la diffusion. Donc, pour ce qui concerne la data, Sébastien l'a dit, la capacité de Values Ads, elle n'est plus à démontrer, c'est Values. Values Ads, aujourd'hui, a pris racine au sein de cet écosystème et de cette énorme connaissance client qui est incarnée par Values depuis maintenant près de 4 ans. Donc ça, je dirais que de ce point de vue-là, on est backé et on peut en plus s'appuyer sur les experts, puisque Values, Sébastien l'a dit, c'est 120 personnes aujourd'hui, avec data scientist, data analyst, architecte, IT, légal, bref, c'est toute une équipe qui est à la disposition de l'offre incarnée par Values Ads. Et puis, on va s'appuyer sur cette plateforme, mais on va aussi permettre à nos annonceurs d'y accéder également. Et ça aussi, c'est un élément différenciant. Alors, fort de cette connaissance client, notre second enjeu, c'était l'activation, justement, et c'était de la rendre activable sur tous les canaux conversationnels. Donc, certains ici nous connaissent déjà, puisqu'on incarne une offre qu'on a lancée l'année dernière en extension d'audience pour 16 enseignes. Donc, on a déjà aujourd'hui une capacité d'activation. Mais dans le cadre de l'activité de régie pour les enseignes, on devait avoir une vision et une capacité à 360 degrés. Donc, il a fallu cravacher. Et pour ça, on a décidé d'opérer un maximum de services en notre sein, au sein de Values Ads, mais également d'évoluer en coordination avec des partenaires historiques, tactiques, qui viennent compléter notre offre et enrichir cette proposition de valeur 360 degrés. Ces partenaires sont des acteurs incontournables sur leurs canaux. Il y a par exemple Imedia Center, IMC, pour les plus initiés d'entre nous. Sur le DOH, vous allez avoir Catalina sur le couponing, qui vient accompagner notre démarche également. Et puis Media Performance, par exemple, sur l'activation en magasin. Donc effectivement, avec eux, on va avoir cette capacité de construction d'offres et on y travaille en ce moment. Donc l'enjeu, c'est bien entendu de faciliter l'accès, encore une fois, à notre offre globale, de proposer des dispos 360 degrés et de mettre ainsi tout en œuvre pour se mettre en capacité de les mesurer. Voilà, c'est cette proposition de valeur-là qui a séduit Auchan et Boulanger. Et on est vraiment ravis de pouvoir démarrer l'aventure avec eux dès janvier. Et on va demander à Sophia de nous en dire plus. Auchan, en tant qu'acteur majeur du retail en France, pourquoi est-ce que vous avez d'ailleurs opté pour Values Ads? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Quelles seront les évolutions pour vos annonceurs selon vous, mais aussi les partenaires historiques? Et de plus, quel bénéfice Auchan retirera de sa collaboration avec Values Ads plutôt que de développer finalement sa régie en interne? Oui, bien sûr. On est parti dans la recherche de l'organisation cible, on est parti de ces enjeux dont on vient de parler. Les enjeux qui sont face à n'importe quel distributeur qui souhaite se muer en une retail media company. Il y a bien la simplification, la mesure, la plateformisation, mais surtout la massification. Voilà, c'est un point important. Hein. C'est un point absolument important parce que il y a une certaine logique de consolidation qui agite en ce moment le marché du retail média et donc une logique d'alliance qui s'installe. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons été séduits par la proposition de Values de capitaliser sur une alliance data qu'on connaît, qui est là depuis 2019, qui a fait ses preuves pour construire ensemble cet acteur émergent qui peut se positionner parmi les plus gros acteurs du retail média en France. Et nous sommes évidemment ravis, chez Auchan, de nous positionner en tant qu'un enabler de ce beau projet. Je vais utiliser ce mot, si vous m'y autorisez. Et nous associons beaucoup, on regarde ce projet avec beaucoup de confiance. On a des objectifs ambitieux qu'on s'est fixés et qu'on est confiant d'atteindre. Notamment, je peux vous citer deux chiffres, parce que ça se résume à ça. On espère tripler nos revenus retail média
en 2026 dans le cadre de ce partenariat et de les multiplier par 10 en 2030. Multiplier par 10. Multiplié par 10 en 2030. C'est noté. Bon. Alors, Olivier, suite à ce lancement, quelles sont les prochaines étapes également pour vous, pour ValueZAD, notamment pour les annonceurs et les partenaires? Est-ce que voilà, vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Les prochaines étapes, elles sont nombreuses. Elles ont déjà commencé, puisque la première d'entre elles, évidemment, c'est de rallier un maximum d'enseignes de l'Alliance à notre proposition de valeur. Et on travaille en ce moment et on a des échanges avec plusieurs d'entre elles qui ont souhaité rejoindre notre proposition. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est encore un peu tôt. Bon. La question est bien teasing. Vue, mais c'est encore un peu tôt. On ne veut pas pour l'instant, mais il est clair qu'avant la fin de l'année, nous aurons de nouveaux partenaires de l'Alliance qui rejoignent l'offre ValueZAD à compter de 2024. Le deuxième sujet sur lequel on travaille, évidemment, mais je pense que les équipes le savent, on n'arrêtera jamais, c'est la solidification de notre stack, évidemment. C'est de faire en sorte que notre réseau de partenaires technologiques et de monétisation soit de plus en plus fort et que notre stack soit en capacité d'accueillir le maximum de problématiques. On a un enjeu, on dit souvent que le retail média, il y a deux écoles, c'est un vieux média, il existe depuis toujours, et puis d'autres disent que c'est extrêmement récent. Les deux ont raison, c'est-à-dire qu'effectivement, le retail média existe depuis toujours. Nos mamans, nos grands-mères même la mienne, même si je ne suis plus tout jeune, ont eu droit à des têtes de gondole, à des expositions publicitaires en magasin. C'était déjà du retail média. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. En revanche, ce qui change, c'est effectivement l'apport que la data amène et la transformation que les retailers apportent, et on le voit à travers toutes les annonces qui sont faites, sur la prise de conscience pleine et entière que le retail média, eh bien en fait, c'est deux mots. Je suis retailer, mais je suis aussi un média et je suis aussi en capacité de promouvoir des produits et d'accompagner le shopper dans son parcours d'achat. Et donc ça, nous, professionnels du retail média, ça, c'est nouveau et il nous faut organiser avec tout le marché, les fournisseurs, les annonceurs, les agences, les retailers, nous régis. Organiser le marché, ça veut dire se mettre en capacité de simplifier, plateformiser, organiser. Et ça, ce sont les travaux que nous menons aujourd'hui. Notre ambition, c'est évidemment de pouvoir rendre accessible à tout. Et tout à l'heure, Sophia parlait d'universalisation, de capacité à aller, de standardisation et à aller adresser tout type d'annonceurs, les plus matures d'entre eux et les moins matures sur ce canal, pour pouvoir les accompagner. Et c'est pour ça qu'on déploie des solutions en self-service. Si tu veux accéder à mon audience ou à mon offre, eh bien, tu peux le faire toi-même. Ou en managed service, où là, nos équipes prennent la main et accompagnent, d'accord, encore une fois, les moins matures d'entre eux. Donc ça, c'est des travaux, je dirais, quotidiens, oui, et des sueurs froides. Enfin, on travaille aussi avec nos mandants à optimiser les inventaires. C'est-à-dire que la spécificité d'Auchan et de Boulanger spécifiquement, c'est que ce ne sont pas des primo-accédants dans le retail média, c'est même des cylindrés assez reconnus aujourd'hui sur ce levier. Et ils avaient donc tout un tas d'opportunités, d'occasions de proposer des offres. Et là, on est en train, au-delà des bundles que nous fabriquons, des couplages, donc des offres que nous fabriquons, on est en train d'optimiser certains de ces emplacements pour leur donner encore plus de caisse et de résonance en performance et de se mettre en capacité de les mesurer, ce qui n'est pas simple. Sophia, vous vouliez rebondir peut-être par rapport à ce que disait... Non, mais je pense que Olivier a tout dit. Mais effectivement, on a quand on regarde l'équation de performance du retail média, c'est à la fois le trafic qu'on a sur nos sites, c'est la qualité de la data qu'on a et la qualité des emplacements. Derrière, il y a évidemment stack technique, performance, etc., etc., etc. Mais la qualité des emplacements publicitaires qu'on apportera sur le site, mais aussi dans les magasins, mais aussi dans les espaces CRM, c'est un facteur de performance pour ceux qui viendraient acheter du retail média auprès des retailers. Et donc, on y apporte une attention toute particulière. Et c'est une grande partie des travaux qui nous occupent actuellement depuis quelques mois avec Olivier, particulièrement, pour proposer à la fois des nouveautés et optimiser l'existant. Très bien. Olivier ? Une paille, en somme. si je devais choisir un dernier, je dirais... Next step, évidemment, ce serait de poursuivre nos partenariats médias, notamment, à l'instar de celui qu'on a conclu avec Vivendi et dont nous nous réjouissons tous les jours, il y a peu maintenant.
D'abord parce que c'est un publisher majeur dans le paysage média. Et en fait, avec qui on va pouvoir simplifier l'accès à des inventeurs premium puissants qu'on va combiner à la data de l'Alliance, donc la data shopper. Ça, c'est une proposition de valeur très forte pour aujourd'hui le marché des fournisseurs et des annonceurs. Mm-hmm. On va accéder à un inventaire premium en vidéo, ce qui pour nous est un enjeu colossal. Et c'est vrai que c'est un acteur aujourd'hui qui émerge très largement sur ce levier. Et on va l'enrichir de la donnée de conversion également. Et enfin, on va bénéficier d'une solution cookie-less à travers ce partenariat. Et c'est pour ça qu'il faut en nouer d'autres, parce qu'on le sait tous, 2024 va être l'année d'un vrai bouleversement, en tout cas d'une vraie bascule sur le marché du digital et presque du média en général, évidemment, avec la fin des cookies tiers. Et ça fait partie stratégiquement de nos prochaines étapes que de nouer des partenariats pour être en capacité de retrouver nos audiences et de pouvoir proposer encore une fois des contenus performants dans les environnements médias. Voilà. Donc très ce clair. Serait notre prochaine grande étape. Tout projet, aussi. En effet. Sébastien, après ce lancement donc, qu'on peut qualifier de majeur, comment est-ce que vous envisagez le futur pour Values Ads, est-ce que vous pouvez nous parler de ces ambitions de croissance? Oui, alors comme ça a été dit, mais je vais essayer de ramasser un peu la copie par un morceau, c'est la première étape, c'est, on l'a dit, c'est de capitaliser sur cette alliance data qui existe historiquement au sein de Values pour accompagner maintenant les nouveaux leviers de création de valeur à travers Values Ads. Dans cette alliance, il y a des retailers qui sont prestigieux. On le voit. Parmi les retailers les préférés des Français. Et puis, il y a des retailers très présents. Ça représente 13% de la consommation des ménages aujourd'hui. Et donc, l'ambition de Values, c'est de créer cette régie média à la hauteur de leur impact et de leur potentiel. Et donc, évidemment, de les accompagner dans ces leviers. Pour y arriver, on va suivre plusieurs étapes. Elles ont été dites un peu là. La première étape a été de dire la data d'abord au service du business, du geste commerçant, de l'expérience client. On a travaillé la data pour Auchan, pour son propre système de fonctionnement. Dans le système de fonctionnement, la proposition de valeur a été d'abord de dire on doit créer de la valeur directe pour Auchan, pour avoir une nouvelle proposition de valeur et aussi accompagner une transformation métier, parce que finalement, on parle de quoi? On parle de transformer les usages, transformer les gestes, transformer les cultures des organisations. Et c'est là où la force du collectif... Il y a un enjeu autour de ça, quand même. Absolument, il est majeur, parce que c'est là où la force du collectif, quand on a un copain qui est un peu en avance et un autre qui est un peu en retard, on grandit tous par le haut. Et c'est appréhender les changements aussi, tout le temps, de ces... de ses usages, ses comportements. Absolument, absolument. Et puis, c'est des nouveaux gestes qui ne sont pas forcément naturels. Voilà. Donc, la première étape, c'est vraiment celle-là. La deuxième étape, c'est de valoriser, comme on l'a dit, la data et le média qui est devenu le retailer ou qui a toujours été le retailer, mais que maintenant, on valorise à travers ces leviers de création de valeur là-dessus. Et puis, la troisième étape, c'est d'ouvrir à de nouveaux retailers, de construire encore des nouveaux partenariats prestigieux comme on l'a fait avec Vivendi, et évidemment d'aller vers l'international, puisqu'on ne parle pas des entreprises franco-françaises, mais des entreprises mondiales. Et donc, notre enjeu demain, c'est d'accélérer sur ces leviers, et notamment à l'international. Voilà, donc en résumé, finalement, Values Ad et son ambition de Values, c'est de passer, c'est d'accompagner de la data for retail à des retail media companies. Et c'est ça l'enjeu qu'on se donne. C'est peut-être ça le fil qu'on va tirer, la continuité, la finalité. C'est sûrement ça. Bon, c'est un très beau mot de conclusion. Voilà. J'imagine que...